Dichterfolge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Where Bush boys hold name boot in spear with... Ich dachte, das ist schon so lang. Man müsste die ganze Luft auf dem Führer aufdrehen. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Splatoon. Donc aujourd'hui ce que je vous propose tout simplement c'est qu'on teste la nouvelle arme proposée par Nintalol qui est un peu un équivalent de l'aérogun. J'ai testé un peu tout à l'heure en solo, ça c'est sympa comme arme. Mais voilà, c'est juste pour le fun, on va dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme stat? Franchement la cadence je pensais c'était autant que l'aérogun mais c'est moins, d'accord. Par contre, la portée des dégâts, c'est un peu pourri. Ah, c'est plus de dégâts en fait, ça fait plus de dégâts, d'accord, ok. Par contre, l'arme spéciale, le bombardement aux bombes gluantes, je trouve ça vraiment assez, assez fun comme compétence spéciale, je trouve ça assez rigolo. Parce que de choses, ça peint quand même sur une grande zone, surtout ça peut one-shot un joueur, donc c'est assez sympathique. Allez, let's go! C'est parti pour se faire quelques parties, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Splatoon. Parce que ces temps-ci c'est difficile. Allez, on commence tout doucement avec un Santaronawa. Un Rowana plutôt, voilà, merci. C'est une map vraiment que j'apprécie, que ce soit en classé, en normal, je crois que c'est une de mes maps préférées. Enfin bon, on est là pour peindre principalement. Alors, on va essayer de bourrer au milieu. Ah, je vais essayer de faire une petite strat. On va essayer d'avoir débloqué l'arme spéciale. Le problème c'est que le rouleau ça va être un peu compliqué. Putain, laisse-moi des miettes. Ah. Évidemment s'il se fait défoncer. Ah ouais, voilà. Ouais. Cadeau pour vous. Oh. Ah dommage. Enfoiré. Tiens, cadeau. Allez, c'est parti. Bombardement. Fuck la police! Surprise! Ah, le Kraken, putain! Ah, putain, j'ai entendu le bruit en plus! Ah, bien joué! Ça commence mal! J'avais le first blood, c'est pour ma gueule, quoi! Putain! Bonjour de la map, apparemment on a le mid. Quand je dis apparemment, c'est apparemment. Parce que je sens que l'ennemi va réattaquer, voilà. Ok. Putain, y'a quelqu'un là. Je vais pas prendre de risques. Vite, vite, je vais bien me barrer. Là, c'est bon. Est-ce que je peux peindre en face? Ah, d'accord, on peut peindre en face, d'accord. Donc, il a assez de portée. C'est bon à savoir. Alors, est-ce que c'est safe là-bas? Apparemment, oui. Apparemment, non. Ah, quel boulet, putain, il m'a vu. Bon, c'est pas grave. Je sens que je vais faire de la merde sur cette partie, genre, quoi. Le Kraken, ok. J'adore me mettre à ce spot et après les faire chier, mais littéralement quoi. Putain, le Kraken, le Kraken. Ah, c'est bon, là je l'ai eu, c'était pas trop mal. J'ai assuré le coup. Putain, toi. Ah! Vas-y, c'est de venir. Je pense que mon pote va le farcir là. Ouh là là, c'était très très risqué de ma part. Je m'attendais pas à avoir un mec ici, ça a été assez chelou. Ouais, ouais. Ah, saloperie. Oula, oula, mon gamepad fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de caméra. Et là. Bouah! Eh oui! Essaye de passer, mon gars. Je suis à combien? 600, c'est lamentable. Il veut pas venir. Attendez, sur le côté, là, c'est comment? Sur le côté, y'a personne, mon gars. Là, je suis un peu ma tantouse, mais en même temps, j'ai pas de portée, donc. Je veux dire, j'ai le camouflage, mais. Oh là 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 là! Oh là 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 là! C'est bon, je l'ai eu. Lui, on va essayer de le réceptionner. Eh ben, dis donc, il fallait combien de balles pour le tuer celui-là? Ah, d'accord, bah, excusez-moi. Merde, le spécial! Suicide! Oh là 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 là! Eh ben, c'était la branlée! La branlée! Oh là 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 là, ouais, ouais. Ah, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. 66%, ouais, je... Not bad. Bon, par contre, niveau du score, j'ai fait combien, hein? On avait un aérogun de l'autre côté. Oh là, il m'a battu d'un point.
En même temps, un aérogun, ça a plus de cadence. Ouais. En fait, je me pose la question, c'est quoi la... En même temps, l'aérogun, il a quand même de bons accessoires à côté, genre le tracker ou... Qu'est-ce qu'il a l'autre? Ah oui, c'est la mine, ouais, voilà, il y a un qui a la mine et l'autre le tracker. Mais j'avoue que la bombe gluante, c'est quand même une grenade très très intéressante, parce que du fait que ça s'accroche et surtout que ça peint sur une, quand même une sacrée zone. Je crois que c'est la grenade qui peint sur le... qui peint le plus, on va dire. C'est celui qui a le meilleur rayon d'action, et je suis même sûr. Donc imagine, avec le bombardement, c'est juste... c'est juste infernal. Ouais, c'est reparti encore pour le... La même zone, le même terrain, ouais, c'est la même chose. Bon, alors, lui il va peindre où lui? Ah, lui il rush, d'accord, ok. Il rush avec un aérogun, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'arrive, mec. J'arrive. Oh merde. Tu l'es! Ah, j'ai liquidé quelqu'un. Là, je suis coincé comme un guignol. On va essayer d'y aller en mode ninja. Ah, peut-être pas en mode ninja en fait. Oh! Oh, bien joué le... What the fuck, d'où il sort lui? What the fuck? What the fuck, man? What? What? Je vois, ça ralentit. Je veux savoir d'où il sortait là. Il me semblait qu'il n'y avait aucune tache d'encre ennemie à côté de moi. Et bah, apparemment, ce n'était pas le cas. Oh putain, les enfants, ils vont reprendre du coup. Ah, le Kraken, bien joué. Ah, c'est bizarre, j'ai pas la portée alors que tout à l'heure je l'avais là. Ok, alors là, attendez, ça va pas le faire. Oh non, le Kraken, merde. Putain, il m'a pas vu. On va essayer de passer derrière lui. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Alors là, on est un peu dans la mouise, il contrôle le mid. Ah, l'enfant, il s'est barré. Putain. Je vais le prendre par surprise, mais apparemment non. Il est pas mort, là? Il est où? Bon, attendez, on va faire notre pute, vous êtes prêts? Ça passe! Ah, merde, putain! Coucou! Il y a quelqu'un qui est mort. Oh non, c'est la bombe, on a pas le temps de péter. Ah, j'ai eu quelqu'un. Ah bah, j'ai eu le... celui que je voulais. Ah non! Par contre, je veux bien speeder SVP. Le... J'ai failli dire le rideau. Non, non, c'est pas un rideau, c'est un rouleau. Je suis un autiste. Oh merde. Oh putain la vache. Ah là, je joue survie, les amis. Là, c'est n'importe quoi, cette partie. Ah, putain, j'ai cru que je l'avais. Oui. Et l'autre, là, qui va venir. Hop là. Et pas mal, cette arme. Je la kiffe, en fait. Et là, c'est le moment de foutre le carnage chez eux. Ah oui, d'accord, c'est déjà le cas, en fait. Ah zut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Je sens être super dangereux, voilà pourquoi. Voilà, j'aurais dû faire ça avant. Bon, moi, j'ai liquidé quelqu'un, c'est le principal. De toute manière, on a gagné. Dans la grenade. Oh, oh, ça colorait un tout petit peu. J'ai regardé le gamepad si ça colorait quelque chose. Mais oui, c'est la rampe, ouais. Il y avait un petit bout. Ok. Pas mal. Ouh, 1157, ok. 8 kills, ok. Non, franchement, cette arme est fun. Et de côté, oui, on va refaire un match. De toute façon, je compte faire 5 matchs à chaque épisode, donc après avec le montage, on arrive à une vidéo dans un petit quart d'heure, je suis sympathique. En tout cas, pour la semaine prochaine, pour ceux qui regardent à peu près toutes mes vidéos, il y aura un petit FTB Guac. On va commencer la plienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Franchement, c'est un épisode aussi sur Super Smash Bros. Je crois que ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné d'épisode. Faut vraiment que je finisse ce défi à 100% parce que ça m'intéresse toujours, évidemment. Je suis toujours motivé à le faire. Mais avec l'été, comme je l'ai déjà dit, ça va être assez compliqué. Surtout que j'ai d'autres trucs en parallèle. Donc voilà. Je vais faire des semaines de 7 jours, hein, pour vous dire. Donc, des semaines de 7 jours de boulot, ça va piquer. Plus Splatoon, évidemment. Un véritable coup de cœur de la part de Nintendo. Et en ce moment, je joue à Ark Evolve, qui est franchement sympathique en groupe. C'est franchement, bah, je m'attendais pas à avoir autant de, comment dire, de durée de vie. J'ai pas plutôt du contenu, mais plutôt de durée de vie sur ce jeu. C'est le ending game de ce jeu est super long, quoi. Enfin bref, on s'en fout, on est là pour splatooner. T'as quelqu'un qui a la même arme que moi. Et on a un pinceau, ok.
Alors c'est qui a la même arme? Je crois que c'est Douglas, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Douglas. Et Douglas, tu vas littéralement me faire chier. C'est pourquoi. Parce que... non, il rush en fait, ok. Je viens de capter aussi que ça vide très peu en munitions, cette arme. C'est un peu comme un liquidateur junior, j'ai l'impression. Oh merde. Alors voici un truc. Je sens que... non, je pense qu'il est mort. Attends, si à 3 il le défonce pas. Oh putain le Kraken. Je l'attends, ok. On va l'attendre au bout. Ah bien, il est pas con, il m'attend. Putain, je déteste ça. Alors, on dirait qu'il est plus là, ok. Oh putain, je m'en doutais qu'il y avait quelqu'un là. Je l'avais entendu passer en plus. Écoutez, je propose c'est qu'on rush vers là. Et ça va être super risqué, voilà pourquoi. Putain, c'est un putain de rouleau. Ah merde, la bombe. Ah, je suis deg. Ah, j'ai liquidé deux mecs avec la bombe. Cette bombe est craquée. Alors là, je vais au mid, mais c'est super risqué. Casse-toi! Putain, c'était quoi derrière moi? C'était un rouleau ennemi ou pas? Je sais pas. On va tracer, écoutez. On va essayer de débloquer le bonus chez eux. Je pense que ça va être un petit massacre. Faut juste... Voilà, exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est de me faire spotted. Un liquidateur, là j'avais aucune chance. Ah, s'il vous plaît, restez là. Restez en hauteur. Yes! Par contre, se reprendre chez nous, ça c'est vraiment pas bête. Pas bête, n'importe quoi. Oui, c'est pas bête. C'est pas bête de faire reprendre chez nous, c'est très bien, comme ça on va perdre. C'est vraiment pas bête. What the fuck, putain la fatigue, je la ressens la fatigue là. What? Oh lui il a une déco, oh putain le lanceur. Oh putain. Mais lui il est con quoi, il se jette sur ma bombe ou quoi. Oh là là, mais ce massacre. C'est juste énorme. Le problème c'est que là-bas le liquidateur m'a vu. Je viens de la map. Ok, on va retourner un peu chez nous là, c'est n'importe quoi. Je sens que je vais me faire gangbang. À moins qu'ils sont tous revenus à leur spawn comme les gros guignols. Allez, on va essayer de reprendre chez nous. J'espère que les alliés vont bien tempo chez eux. J'aime pas ce bruit de rouleau, c'est quoi? Non, c'est bon. Ah, c'est pas bête de se téléporter comme ça. Oui, je sais, j'ai l'arme spéciale, bon, ça sert à rien. Voilà, surtout que... surtout si c'est pour le viser ici, quoi. Puis de toute façon, voilà, derrière, il y avait principalement du violet. Eh bien écoutez, une autre victoire. Et on va essayer de faire 5 victoires d'affilée, ça peut être pas mal. Ok. Et... ah, 11 kills hein, quand même, mais... ouais, ouais, putain. Chapeau. 11 kills, mort 5 fois, en même temps, je croyais au début, il a rush. Il a dû faire son sac. Franchement, je vois mal rusher avec cette arme. Parce que, bah, il a pas de portée, tout simplement. Il a pas de portée, le pauvre. Ah, ça faisait longtemps. Des problèmes de connexion. Bon allez, je rejoins notre serveur. Et encore le centre. Et yo, j'aime bien tomber sur le doc, moi. En perso, bon, j'aime cette map, hein, je l'ai déjà dit, mais... enfin bon... Il y a deux maps, quoi. Il y en a pas qu'une seule. Ah là là. Non, c'est pas grave. C'est de prendre un maximum. Je vais regarder mon gamepad. Oh putain, il y a déjà quelqu'un au mid. Et je suis sûr qu'il m'attend. Oh, c'est un sniper. What the... oh, putain, bien joué. Ah mais... ouh. Oh bah il est mort. Et je me suis dit, le mec, il a des balls pour venir au corps à corps avec trois bombes collantes. Il m'a fait de les placer. Ça s'était fait exprès. Hein. Pas pour le tuer spécialement, mais pour que je puisse monter aussitôt pour pouvoir le défoncer. Oh putain, alors ça pue. Ça c'est un peu le bouclier. Il y a un bouclier. Ouais, je le vois, il est là-bas. Ok. Allô, je suis obligé d'aller là. Ninja. Coucou. Vive le ninja calamar. Ninja. Je sens la grosse connerie. On perd combien sur la grosse connerie? Oh putain, le calibre. Ah non, liquidateur. Putain. Au bruit, je disais calibre. Ah dommage. Ouais, je suis un peu deg parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour. Un maximum de points, bon, on va essayer de faire son Superman.
Moi j'ai l'impression que je suis plus bavard que la dernière fois. Bon, hop là. Oh putain, la bombe! Là j'ai failli crever à cause d'une connerie quoi. Putain. Et l'autre qui en profite. Ah là là, le sac. Il va repeindre tout le mid. Ok, alors là ça pue. On va mettre une bombe là. Je sors de peindre. Là-bas. Je sais pas où c'est parti. Putain, on va pas perdre, j'espère. C'est un peu le bordel là. Non, là on est trop nombreux. Je sens que je vais me faire défoncer, je vois pourquoi. Je sens l'ennemi. Je sens pas l'ennemi. Ok, bon. Par derrière, par derrière. Oh, oh c'est lâche. J'aime ça. Là-bas, ouais, le mec en haut, je le vois. On va essayer de prendre un peu par là. Si j'arrive. Ah, je suis dans la merde, je suis dans la merde. J'ai tué Sarah Connor, ok. Est-ce que je peux lancer une bombe de là? Oui, ça c'est, mais ça sert à rien. Oh, écoutez, je vais prendre les miettes derrière. Hein. Y'a rien. Y'a rien à peindre. Attention. Action héroïque. Je voulais lancer la bombe, mais c'est pas parti. En plus, il y avait un mec derrière moi. Je l'avais vu. Tout dernier moment. Et c'est pas mal, hein. 66, 55, 54. J'ai oublié l'autre chiffre, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai fait tout le temps au-dessus de 50%. 10 kills. Oh, pas mal. Bombe gluante pour moi. Enfin, bombe collante. Bon, c'est la même chose, vous allez me dire. Et ben écoutez, c'est parti pour le dernier battle. Le dernier battle. J'espère que ça va être les docks. Quoique, ouais. Bah, c'est sûr, ça serait pour changer, quoi. Mais j'avoue que cette arme, les docks, ça va pas être très pratique. Quoique, c'est un petit terrain avec les, le spécial moyen de faire un petit carnage. Bon. Ouais. Vu que j'ai pas beaucoup de portée, ça va être dur. Attention, moment de suspense, moment de suspense. Oh, oh, le jeu qui me comprend. Oh, je t'aime, jeu. Et là, et là, je vais perdre. C'est possible, hein. On s'en fout. J'ai fait un bon ratio pour aujourd'hui. Allez, let's go. Alors là, bah, je vais rush de mon côté. C'est un peu chiant, c'est quand même assez difficile de regarder ce qu'on fait en même temps de regarder la map. Bon, là, j'ai la map vite fait. Ça rush pas de leur côté, donc ça va. On a le temps de peindre. Je sens la connerie, je sais pas pourquoi. Je sens que je vais faire nimp. Il y a un sniper, il y a un sniper, ok. Ok. Coucou. Oh merde. Ah non. Pitié. Non, mon spécial. Oh, je l'ai gaspillé. Bon, c'est pas grave. Ah bah, c'était soit, de toute façon, soit je crève et je perds le spécial, ou soit je me casse et bon, je perds la moitié de mon spécial. Quelqu'un a le sonar en face, ça j'avais complètement... ça avait pas manqué cette merde, putain, le sonar, quoi. Le sonar. Par contre, il y a un AFK chez eux ou je vois personne. Ah, le sniper, quoi. Ah, bien joué. Ah, il y a Bookie, oh, Bookie aussi. Ah non, Kraken. Bon, allez. Y'a pas quelqu'un ici? Elle est pas mal cette arme, elle est pas mal. Attendez, je me gratte le nez. C'est cool, voilà. Putain, mais je suis trop un con, j'ai dans son angle quoi. Putain, du coup, il m'a spoté. J'aimerais bien aller le voir. What? Pourquoi ma bombe a disparu? Bon, là, y'a pas grand chose à peindre vu qu'on les campe. C'est un peu chiant là, je me fais chier. J'aimerais bien balancer le. Spécial. Ah, attendez, j'ai une idée. Voici un truc, ça est super risqué. Attention d'être prêt. Ah bah bien sûr, s'il y a le sonar. Coucou. Je me casse. Je pose des bombes derrière moi. Ah merde. Putain. Oh la vache. On a plus le sonar. C'est le sniper, ça. Ce sniper, il galère un peu. Il stresse, on dirait. Ils sont juste défoncés quoi. Ouh, ça sent l'ennemi ça, non? Qu'est-ce qui serait là? Bombe tellement bien placée. Apparemment, il est mort ici parce qu'il y a plein d'encre. J'aurais dit qu'il y avait quelqu'un là. Dans ton cul. Merde.
Sonar, la con. Je sais pas ce qu'il a comme arme. Je pense ce qu'il a. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais dégage, toi. Ah, merde. Non, j'ai failli faire un perfect, je suis deg. À cause du véhicule qui m'a troll. Pas grave. J'ai bien dépassé le 1000, là, allez. On va courir. Putain, qu'est-ce qui se passe? J'arrive déjà, ça pète. Ah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Oh putain, cet épisode, les amis. Je crois que c'est le troisième kill que je tue sans savoir qu'il est là, quoi. 60%. Eh ben écoutez, magnifique ratio. 5 victoires d'affilée à plus de 50%. Et ah, dommage, je suis pas premier. Mais c'est pas grave, son principal c'est qu'on gagne. Ok. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite session vous aura plu. En tout cas, j'espère que cette session sera meilleure que la première. À vous de me le dire. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. C'est très important pour moi. Je vous retrouve donc pour le prochain épisode qui sera sur FTB. Bonne semaine à vous. Au revoir. Dans ton cul.